Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin 92, j'espère que vous êtes tous super bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Aujourd'hui on va faire les pires animations de Clash Royale. Enfin bref, ce sera une petite compilation d'animations réalisées sur le jeu par quelqu'un de très talentueux. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description bien évidemment. Et sur ce, on est parti, on va voir quelques petites animations. Je pense que vous allez kiffer. Alors dès maintenant, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à penser au petit pouce bleu. Et c'est parti, on se retrouve avec la première animation sur le thème du bandit. Alors on va avoir une petite histoire donc sur le bandit. Ce que je vous propose, c'est que je disparaisse et que je vous laisse avec cette petite vidéo. On se retrouve dès qu'elle est terminée. Et donc voilà, vous avez vu l'animation du bandit, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle était super sympathique, je trouve, les dessins sont pas mal faits et tout. Mais encore, vous n'avez pas vu ce qui va suivre. Donc là, je vais vous montrer l'animation du méga chevalier, une carte qui est sortie il y a vraiment pas très longtemps et tout. Donc voilà, petite parenthèse, j'avais fait une vidéo sur les parodies Clash Royale il y a un peu de temps et tout. Et vous n'étiez pas trop fan du concept où je parlais en même temps que les vidéos. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais vous laisser tout simplement regarder celle avec le méga chevalier. Je vous laisse tranquille et on se retrouve juste après. Ok, c'était l'animation du méga chevalier. Franchement, je l'ai trouvé vraiment super bien réalisé. En fait, quand j'ai regardé la vidéo, parce que je l'ai regardé en même temps que vous, et bien tout simplement, c'était assez stylé de voir le géant comme ça qui tapait. Et je me disais tout simplement, bah c'est bon, c'est terminé. Le géant va baiser le roi adverse et ce sera fini. Et en fait, quand j'ai vu le méga chevalier, super bien réalisé. Franchement, avec un petit to be continued sur la sorcière de nuit qui est vraiment un petit counter du méga chevalier. Mais voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas en rester là et qu'on regarde une autre petite animation. Et j'espère en tout cas que vous kiffez le petit concept. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne du créateur. Ok, à la fin de l'animation du méga chevalier, vous avez vu une petite sorcière de nuit arriver. Et ce que je vous propose, c'est que je vous laisse avec la suite, où il y aura tout simplement une histoire avec une animation bien évidemment sur la sorcière de nuit, le méga chevalier et le bourreau. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo.
Ok, l'animation du méga chevalier, de la sorcière de nuit et du bourreau est assez courte, mais assez rigolote. Franchement, je m'y attendais un peu à la hache du bourreau qui allait revenir, mais franchement, le doigt d'honneur du roi, il est tout simplement magique. Voilà, franchement, moi, je me barre bien sur ces petites animations et je trouve ça vraiment super rigolo. Celui qui a fait ça, GG à lui. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une autre animation. On continue, on est on fire. Comme ça, je vous en montre plein et j'espère que vous kiffez. Et donc voilà, celle-ci, ça sera la dernière animation que je vous montrerai pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'animations, n'hésitez pas bien sûr à laisser un énorme pouce bleu et à me dire si vous voulez une autre vidéo sur ça. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est l'animation du royal géant, enfin du géant royal et de la charrette à canon. Je vous laisse, c'est parti. Voilà, cette petite animation sur la charrette à canon et le géant royal est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère tout simplement qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous faire un peu découvrir des animations qui sont faites pas forcément en français, mais voilà, en anglais, d'autres youtubeurs et tout. J'espère que ça vous a plu que d'avoir découvert ça. N'hésitez pas du coup à laisser un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres animations comme ça que je vous montre. Que je vous partage un peu son contenu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner du coup à ma chaîne et à la chaîne du créateur qui sera bien évidemment en description. J'espère voilà que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin92. Tchuss! Get alive.